Oui, bonjour Jean-Pierre, bonjour Gérard Larcher. Moi, je voulais revenir vous poser une question sur le projet de loi de bioéthique. Est-ce que vous regrettez l'imbroglio qui a mené au rejet de l'article 1 en séance hein, qui permet la PMA à toutes les femmes Vous étiez dit ouvert, pour rappel, hein, à ce qu'elle elle soit étendue à toutes les femmes, mais sans remboursement par la Sécurité sociale. Alors pourquoi n'y a-t-il pas eu de seconde délibération Ça a pourtant été annoncé en séance par le président de la commission spéciale. Et dernier volet de cette question, certains sénateurs, y compris dans votre groupe, les LR, comme Jean-Pierre Grand, dénonce aujourd'hui une victoire politique de la manif pour tous, dont les relais, je cite, dans le groupe LR ne sont plus à dénoncer. Euh, quelle est votre, votre, votre analyse sur cette, sur cette, sur cette séquence Pour moi, en 2019, le Sénat avait voté un texte équilibré sur l'ensemble de la bioéthique, la question de la PMA, mais aussi euh, tout ce qui était euh, expérimentation, euh, euh, manipulation génétique. En 2021, au cours de cette nouvelle lecture, le Sénat, dans un premier vote d'ailleurs, a maintenu le principe de la PMA. C'était un vote d'amendement. Puis, à l'occasion d'amendements qui réduisaient la portée, notamment pour les femmes seules, eh bien, ceux-ci ont été adoptés. Et l'addition des voix de ceux qui voulaient généraliser la PMA et de ceux qui la refusaient dans son principe se sont additionnés. C'est ce qui a conduit au rejet de l'article premier. Je regrette un peu que le Sénat ait laissé passer la chance d'améliorer le texte. Je le dis comme je le ressens. Vous connaissez ma position. J'ai dit que le texte de 2019 était pour moi un texte équilibré. Je m'étais exprimé sur le sujet. Et naturellement, là, quelque part, c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Et je ne suis pas certain que l'équilibre trouvé en 2019, et d'ailleurs dans un dialogue alors avec la ministre de la Santé, soit retrouvé.